Ah non, Broker, non. Oh mais du coup c'est horrible. Non, c'est tellement nul du coup. C'est nul à chier. Non. J'ai pas sauvé ma femme en fait. C'est quoi ce délire? J'ai sauvé tout le monde sauf ma femme. Par contre, il y a eu attitude de Homebroker plus 50. Ça devrait pas être moins 50. Oh non, allez. Non. Non. C'est en fait dans ma tête, je me suis dit, il faut que je tue les trucs avant de libérer le mec parce que sinon il va se faire fumer. Mais sauf que, oui, mais d'accord, mais il y a un moment aussi, il faut faire demi-tour. Parce que Karlek et Astalon, ils ont tué tout le monde, ils ont ouvert les portes, et ils sont partis direct. Là, avec Homebroker, il y a deux tours où j'ai. Oh, je suis un débile. Non, je suis un débile. Non. Imaginez, on peut pas la réanimer. Imaginez, Flétrice, il me dit, bah, je peux pas l'atteindre, aller dans un autre monde. Oh, imaginez. Oh! Unlike the Iron Throne, quoi? You remain intact. It seems most of the hostages from the throne quoi? Share your fate. Et comment ça? Bah. We made it. We actually made it. Oh mais oui, le passif! Elle est morte, mais il y avait le passif de l'arme! Mais attendez, j'ai peut-être cassé le jeu, parce que là, du coup, elle est. Oh, on a cassé le jeu. Mais oui! Mais oui! Le sang de la cendre! Oh oui! First you cleave my heart in twain, now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours? It isn't what you think. It never was. You turned your back on me, on your city. To chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I think. Aïe, 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 les retrouvailles se passent pas comme prévu, hein. Votre fils a sacrifié son âme pour sauver la vôtre, il n'avait pas le choix. C'est vrai. Consacrer toute son existence, ouais, je commence à me dire qu'on aurait mieux fait de vous laisser vous noyer. Faire appel à votre parasite afin qu'il établisse un lien entre le père et le fils, il est grand temps que Gardcombo connaisse la vérité. Ah! Ça lance des dés, ça, ou... Ça peut être pas mal, ça. Parce que ça, il peut nous dire, ouais, ouais, machin, mais... Ravengard's tadpole clenches as your memories and wills flow into him. Bon, j'espère que ça va pas trop... Ça va pas lui faire faire un arrêt cardiaque. I'm in your mind. The Grand Duke sees Mizora and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face. As an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare. Voilà, puissance que j'ai maintenant. God sees Will partnering with Mizora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate, and he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise. C'est vrai qu'on en a fait des choses, hein. Astral prism. And the Emperor. Et encore, Will n'était pas présent. Everything I did for Baldur's Gate. I did for you. C'est la vérité, garde corbeau. Will a toujours été un fidèle défenseur à la porte de Baldur. C'est vrai. My son, you sold your soul to save Baldur's Gate, and I cast you out for it. You gave yourself to the hell's eternal fires so I might walk free. By the gods. Can you ever forgive me? Bah, je pense que si on l'a sauvé. There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most, and a better son than I deserve. I'll yet make amends, but. My duty is first and foremost to the city and its people. There's something I must ask of you. Je vous écoute. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Alterel, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. Ah oui. I didn't despair. Because the city
has a secret guardian, a worm that sleeps beneath. He can be called upon in times of great need. Okay. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek him out. C'est bizarre parce que c'est nous qui lui répondons, mais en même temps il parle à Will. Un Dracozir voulait dire qu'il y a un dragon sous la cité? Ah, c'est... Ah, d'accord. A bronze dragon, yes. Mais non. He sleeps beneath us even now. Oh, si on peut grimper sur son dos, dragon, c'est... Pff, c'est légendaire. The worm goes by many names. Answer. The waiting storm. The heart of the gate. He promised Balduran he'd protect the city if ever its existence was threatened. But just the once. Oh, c'est bien, ça change le Skyrim, quoi. The city has faced countless threats, but we always overcame. There was never a need to call on the worm. Until now, the Absolute is the greatest threat Baldur's Gate ever faced. The worm must be awakened, and the task falls to you. Take this. C'est bien parce qu'au final, en anglais, il dit pas my son. Du coup, ça passe comme s'il me parlait à moi. An ancient epic, ill remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Vous ne voulez pas la... Vous avez raison d'avoir foi en Will, nous nous chargeons d'aller trouver le Dracozir. Will, qu'est-ce que vous en pensez? Vous jouez l'avenir de la cité sur un conte de fées? Je vous avoue que avoir un petit dragon, ça peut être stylé, hein. Non, vous avez raison d'avoir foi en Will. Thank you. Bon, on va tout faire, il va rester au campement, mais... On sait qu'il est là, quoi. Pride of Ravengard. Pride of Baldur's Gate. Ok. Comment il va le petit Scratch là? C'est longtemps qu'on l'a pas caressé en vrai. Un dragon. Bah alors là, bah trop bien. Non mais si on peut monter dessus, ce serait trop stylé. Vraiment c'est... Bon. Ça, on est bon. Mais avant tout ça, on va aller... on va lire ça d'ailleurs. Mais on va surtout à la fonderie. Lire la légende. Le seul moyen est de réveiller un puissant Dracozir du nom d'Ansour qui dort sur la cité. La légende d'Ansour. Lisons ça. Déjà, ah bah Will veut me parler, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un objet de quête ou pas? Non. Alors, la légende d'Ansour. Porte de Baldur, mouillage du grand Baldurien. Ô grand Baldurien, fondateur vénéré, et le puissant Ansour, son dragon gardien, le sauveur des profondeurs, là pour nous protéger. Par le roc, loin sous les pieds des prisonniers, là où nul ne penserait à le chercher. Note, entrer dans la prison du roc du Dracozir. Si l'étincelle d'un héros vient à briller, les torches pourront se rallumer et le Dracozir se réveiller. Voir cette histoire d'étincelle et de torches. Okay. Ces épreuves, tous ne pourront pas les franchir. Chaque jour, de nouveaux candidats du chapeau sortent. Mais le fondateur l'a décrété, seul un héros pourra réussir. Et ainsi, un beau jour, prétendre au titre de cœur de la porte. Ok. Bon, on va y avoir plein d'épreuves. Oh, sûrement des torches allumées dans le bon ordre. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. O Balduran, founder due veneration. Il connaît par cœur. His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. C'est vraiment une histoire incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? It's not just a tale. It's a history. Ah, je voulais pas. Consider this. To Wormway, neath prison's deepest level. Mm-hmm. That must mean Worm's Rock Prison. Absolument. That's where we'll find the entrance to this Wormway. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Worm's eyes shall awake a glitter. M'en doutais. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon, Ansur, was Balduran's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raise the city. Ouais, il n'y en a plus que deux, hein, et bientôt il n'y en aura plus qu'un. Vous voilà en forêt réunis, votre père et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? It's complicated. There's the joy of reconciliation, the relief of forgiveness, and the anxiety. C'est un peu lui qui est... Pardonnez, c'est un peu lui qui a foutu à la porte et qui... I'm
not sure how to make sense of it. Concentrez-vous sur la joie que vous éprouvez. Vous avez réussi à retisser des liens avec votre père. C'est vrai. Joy. To my father, I was only ever a boy. Incredible that he can see the man I became. Once all this is ended, once we've crushed the brain and freed the people, I could once more call Baldur's Gate home. Whether I return there, well, only time will tell. C'est vrai. Est-ce possible que la duchesse Stellman soit alliée à l'empereur? Connais bien l'empereur. Non. En vrai, non. Bon, alors. Bon, on est parti. Est-ce que je fais un petit repos? Non, hein, flemme. Hein. De toute façon, là, on va juste à la fonderie. Je dis ça, logiquement, il ne doit pas y avoir de combat. Mais c'est vrai qu'ils m'avaient laissé partir, mais là, ils vont me regêner, là, tous les mecs, là. Ah, il n'y a plus personne. Ah, mais non, je les avais tués, au final. C'est vrai que je les avais tués. Il n'en restait pas. Ouais, non, j'avais tué les deux qui étaient là. Ok. Bon, mais impeccable. Je crois que ça réapparaît, hein. Oula, non. Ah oui, ça a bien réapparu, hein. Alors, on se souvient, ils ont des trucs qu'ils activent. Ah ouais. C'est qui voit, là? C'est le champ de vision A de celui-là. Ok. Bah écoutez, c'est parti, hein. Ah, ça va être... ouais, je pense pas qu'ils auraient été cool quand même. C'est marrant qu'ils soient revenus. Oh, mais ils sont que deux. Ça me va. Non. Moi, je veux que ça soit Astaron qui joue. C'est vrai qu'il a leur truc là. Faut qu'on les tue assez rapidement. Faut pas qu'ils aient le temps de. Hop. Voilà. Ça. Ben en vrai, je peux moi-même aller le déplacer. Enfin, le. Voilà. On va faire ça. Tac. Encore. Oh oui. On va pas te paralyser. Et Carlac va finir tranquillement le boulot. Bon, il a quand même beaucoup de points de vie. On va peut-être pas finir le boulot, mais. Mais on va bien l'entamer. Ah, c'est dommage. Est-ce que je tente? Ah, mais je vais prendre. Ah non! Ah, ok. Bah après, ils vont tous jouer avant lui. Donc, ils vont lui mettre des petits coups de. Ok. Ah, il aurait fallu le taper, les gars. Hein. On aurait pu le tuer. Hein. Ah oui. Ok. Ah, lui, il s'est enfui. Hein. Lui, il a eu le mémo. Oh là, ça, c'est parfait, ça. Allez, des petites dagues, des petits trucs. Non. Très bien. Bon, moi, je sais qu'ils ne seront pas touchés. Ils sont tous en fuite. Ok, ça se tapait sur le toit. Ah, non. Ok, bon, du coup on va prendre des coups alors qu'ils auraient pu le tuer. Ok. Oh oui, Carlac. Ah, dommage. J'y ai cru, la triple esquive, ça aurait été beau. Oh! Mazette. Non. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ouais, mais on les sauve normalement pas comme ça. Hein. Enfin, sauver les Gondiens, normalement, c'est aller voir l'architecte. Hein. Tous les adeptes qui gardaient le rez-de-chaussée. Sauver ainsi les Gondiens qui travaillaient. Il ne faudrait même pas parler à leur chef. Mais j'ai l'impression en fait que ça a remis indirectement une. Enfin, ça a refait spawn des trucs. C'est très bizarre, mais c'est pas grave. Je vais pas pouvoir passer par là. C'est pas grave. Hop. À moins que ce soit ceux que j'avais pas. Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Ils sont morts. On va pas se prendre la tête. Ça nous échauffe. Et du coup, où est-il ce monsieur? Pourquoi il est pas là où il devrait être? Parlez avec Xander. Ah, mais t'es juste à côté? Ah! Je l'ai pas reconnu. C'est terrible. Ok. Ah, donc il s'est déplacé. Ok. Je l'ai pas du tout reconnu, hein. Hop là. Et bonjour. What happened to Obelia? Is she safe? Est-ce qu'on l'a sauvée, Obelia? Vu les dialogues, oui.
plusieurs étages en péril et pas votre fille. Oui, ne vous en faites pas. My heart. I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Our destination is the Nuositer, the nerve center of the Steel Watch. Guide me there, and I'll do the rest. Ça marche. Finissons-en. My fellow Gondians, flee this prison. En plus, c'est bien parce que comme on a déjà tué tout le monde, ça va juste être un. Ça va être tranquille. Oh, on va se téléporter directement en plus. Non. Mais je peux pas. Je peux vraiment pas appeler l'ascenseur d'ici là. Si, il y a un levier. pourquoi le levier il flotte? Alors attendez. Pas de panique. Pas de panique, c'est juste un jeu vidéo. Très bien. Bon. Parce que normalement c'est un TP. Mais là le TP. Enfin la prison n'existe plus en fait. Je crois que le jeu a pas kiffé que je fasse les choses dans l'ordre que je les ai fait. Je pense qu'il était en mode ok, t'as trouvé l'architecte, tu fais demi-tour, tu vas sauver les gens et ensuite tu vas au sous-sol. Là, il a quoi lui comme. Juste par curiosité. 12, il est aveugle, ouais. Attaque d'opportunité, ruse de gnome, ok. Parce que là, logiquement, à moins qu'ils aient remis des ennemis, eh oui, y a plus personne. Donc là, c'est tout droit. C'est tout droit. C'est vrai qu'il y a des gens assommés, hein. Je peux pas les ramener à la vie. Enfin, les ramener à la vie, les réveiller, du moins. Peut-être avec de l'eau. Bon, c'est pas très grave. Ils font dodo. C'est ce qui compte. Hop, c'était par ici. Là, on avait tué le gros machin. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Mais c'était bien effrayant. J'espère que ça respawn pas, hein. Ok. C'est le speedrun. Ah bah oui, il a des petites jambes. Faut l'attendre. Bah, il est aveugle aussi surtout, mais est-ce qu'il faut que je clique dessus ou est-ce que c'est lui qui va. Ça me fait un peu peur ça, je vais pas vous mentir. Non, ok. Ah, si. Ça me va, je clique. Allez, je clique. Ah, attendez, je vais pas cliquer en fait. Oula. Je vais parler à lui. Hop. The Nuositer. I can hear its hum. Familiar, yet painful. I helped design the steel watches, toiled night and day on the first bipedal prototype. It is fitting it ends this way. Attends, on peut pas enlever leur collier parce que j'ai toujours peur que. I will bring down not only the steel watch, but the very foundry itself. This place will be smoke and rubble when I am finished. Are you ready, my friend? On a combien de temps pour s'enfuir là? Parce que. Comptez-vous faire au juste? Like the foundry, the Neurositor's exterior is near impossible to penetrate. Ok. However, its inner circuitry is highly unstable. I'm going to rain fire upon it from the inside out. Ça me plaît, ça me plaît. Bah, ça part, hein? Gond, let your hammer be my courage. J'espère que c'est pas un sacrifice qu'il fait. Furnace, my heart. Parce qu'on est quand même loin de la sortie, hein. On est très 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 loin de la sortie, hein. Ok. Ah mais il est pas avec nous. Oh, on court, mais on a, j'ai l'impression qu'on fait du surplace, quoi. Pourquoi il est pas là, lui? Me dites pas qu'il s'est sacrifié, par pitié. J'ai pas sauvé. Ah, ok, merci. Eh, j'ai pas sauvé sa fille pour qu'il soit mort, hein. And the foundry crumbles behind us. The sound is as sweet as a well-oiled cog. Yet we paid the price in blood. So few of us remain. Gon's name will soon fade into the annals of history. Mais non, mais non, mais non. I must leave now and gather those of us still standing. Look after this city, my friend. I pray it treats you better than it did us. Bon, ça c'est mal barré, mais on peut arrêter d'être dans l'acide à chaque fois là, ça serait cool. Bon, ben voilà. Inspiration, ça me va. Ah, c'est stylé du coup. Tout est détruit. Ok, bon. Ça, une bonne chose de fait.
Bah, je pense qu'il est temps d'aller. Ouais, hein. Aurine surtout, en priorité. Ouais. Le dragon, on verra ça après. Parce que j'ai peur que ça soit. Que ça parte vraiment en cacahuète. Mais c'est vrai que le temple. Bah, je vois pas comment on y va, quoi. C'est vrai qu'on y revient. Je vois pas comment on y va. Mon avis, il doit y avoir une quête à faire qui fait que... C'est vrai que ça aussi, les secrets du palais, j'ai pas trouvé la suite. On va peut-être y retourner là. Fouiller les égouts pour le retrouver. Arthur... Alors, oh, alors lui, on sait pas du tout où il est. Chercher les gonodes. Ouais. Tombus pour le mystique carcasse. On va apporter le corps de Frombus. Celui-ci nous a dit que Frombus avait trois camarades. Eux aussi des zombies. Si nous les trouvons, peut-être pourront-ils nous dire où Frombus est parti. Nous avons rencontré le mystique carcasse. Ouais, ça c'est le gars bizarre avec sa machin, ça. Baveur le clone, les morceaux. En même temps, la ville est tellement grande que. Il y a trop de trucs, quoi. Il y avait un TP au palais ou pas? Je crois pas, hein. Non, il n'y avait pas de TP. Au palais. J'avais été par un endroit bizarre. Cela vraiment je sais pas. Je sais pas par où passer, je sais pas quoi faire. Je vous avoue je suis un peu perdu. Parce que là on a été partout. Et je vois pas comment atteindre ici en fait. Parce que là il y a la porte ici là. Mais est-ce que j'ai essayé de cliquer sur la porte? Bon, c'est le truc complètement bête mais. Ouais bah oui on pouvait pas la crocheter. Après peut-être en l'ouvrant. Rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our Lord? Ah, c'était ça que j'avais pas fait l'autre fois. Essayez de cliquer sur la porte. Je suis l'assassin impie, c'est vrai. Je suis l'assassin impie de Baal. Then you will show the symbol granted by the justice. Le voici, l'amulette de Baal. The proof of faith held in worthy hands. D'ailleurs, je pense qu'on retournera fumer le Seigneur. The dread lord requires. Quoique, en vrai. Walk in blood. Bon, allez. Ah, oh, dommage, j'ai pas eu d'animation. Bon, ben c'est parti. Sauvetage de Lezel, enfin. Pas vous mentir que depuis le temps, mais bon. Vaut mieux prendre son temps. Et. Ah, je pense que c'était un assassin, mais je suis pas sûr. Hein. Pour accéder au temple de Baal, il faut franchir le gouffre du carnage. Mais si vous êtes faible, comme cet aspirant, le tueur lointain vous refusera le passage. Anéantissez-le ou mourrez. Ok. Des gens qui vont nous taper de loin. On va peut-être faire boire des potions à Carlac. Genre une bonne grosse potion là. Genre ça là. Alors, attendez. Hop. Well. Non. Arrête de bouger, Homewrecker. Voilà. Hop. Tac. Lancer. Voilà. Allez. Ça c'est parfait. On y va, rien ne peut nous arrêter, on est beaucoup trop fort. Ok. Ok. C'est fait repérer par faucheuse. Dans une zone. Faucheuse de balles, de flow. Ça a l'air. Ok. En vrai, j'ai des potions d'invisibilité. Mais. C'est marrant que ça a pas engagé le combat. C'est peut-être si on s'approche trop. On a raté la perception. Tous? Ouais. Ok, il y a des pièges. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a des pièges. Ah voilà, du coup. Est-ce qu'on peut voir, je me suis trompé de touche, des choses? Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À mon avis, là, mais il y a des trucs embusqués, mais de partout. D'un coup, ça va partir.
Genre là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Bah, d'ailleurs, on peut y grimper. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Est-ce que... Vous savez quoi? On va y aller franco, hein. Ouais, ouais. Ok. Très bien. Oh! Ah! D'accord. Bon. Garlax, c'est bien, on peut pas se faire surprendre. Tueur lointain. Donc c'est ça, le tueur lointain. Ah! Il était là. Pourquoi je peux même pas... Attendez. Ah, mais je peux même pas voir ce que c'est. Oh, ils ont les... Oh là là. Oh là là. Ça, c'est dur, hein. Ça, vraiment, les stacks d'inarrêtables, c'est dur, hein. Vulnérable aux dégâts performants, champ rituel. Dans le cadre du défi permettant d'entrer à l'intérieur du temple, le tueur lointain a commencé à scander son incantation profane, qui lui permettra, quand elle s'achèvera, de lancer mot de pouvoir mortel. Sortir de la portée d'incantation, égale à 55 mètres, rend ses ennemis invulnérables. Tuer le tueur lointain met un terme au rituel. Il permet de remporter le combat. Ok. Vous prononcez un mot de pouvoir qui oblige un ennemi ayant 100 points de vie ou moins à cesser de s'accrocher à sa pratique et à mourir instantanément. Et... Pardon. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Attendez, c'est moi ou... Comment ça, mon... Il est pas en combat? Ok. Ah, mais là, c'est... C'est trop loin, là. Alors, attendez. Ah, il me semblait bien qu'il y avait des... Ah, mais Ombroker non plus. Mais comment c'est possible? Il me semblait bien qu'il y avait des gens, là. C'était sûr que c'était un spawn, ici. Mais je peux même pas. Par contre, ce qui serait bien, en vrai... C'est qu'avec lui, du coup, je me TP là-haut. Ah ah, alors attendez. Après j'ai pas la vision, j'ai la vision. Mais là je pense qu'ils vont m'avoir. Quoique si je suis derrière eux, bah si, il y a un champ de vision là. C'est qui me voit? C'est lui là? Ouais. Là j'ai la frame. Ah, c'est marrant qu'on soit pas détecté, non? Ou alors j'y vais par derrière. Est-ce qu'il a combien d'HP? 88. En vrai il peut vite se faire tuer, hein. Est-ce que je tente? Je pense que je vais tenter. Genre de me mettre ici là. Let's try this. Ok. Ok, ok. Ok. Comment ça se fait qu'on... Ok. Parce que je suis trop fufu, Ok, je sais pas. Mais tant mieux. Eh ouais, par contre, là le problème c'est que... Ou je les tue eux. Parce que là, si je rentre dans le truc... Je suis détecté. Y a pas moyen que je... Y a pas un passage là? Ou que je saute? Attendez. Ok, bon c'était sûr. C'était sûr. Ah du coup j'ai tout gâché là. Sauf que là, Carlac, le problème c'est qu'elle peut pas... Elle peut pas y aller en fait. Donc là faut qu'on se barre. Hein. Ok, là faut qu'on se barre. Bah après si je fais ça, personne peut venir en fait. Ah du coup ils vont... Après ça me va hein, s'ils se mettent invisibles. Ok, ça me va. Ok. Bon, la goule, ouais. On est surpris. Ok, ça joue. Moi, par contre, je vais jouer. Ok, il me voit toujours, mais c'est pas grave. Est-ce que... Non. Je suis marqué. Le problème, c'est que... Ah, mais du coup, j'ai pas utilisé mon shoot de... Eh ouais. C'est un fantôme mort-vivant. Est-ce que j'ai des flèches mort-vivant? Ça c'est contre les dragons d'ailleurs, hein, si ça passe mal. Monstruosité. Mort-vivant c'est monstruosité? Je vais assumer que oui. Non. Ah bah c'est bien, on peut pas se tromper du coup. Ah on peut vraiment utiliser la flèche que sur les... Ok. Est-ce que c'est un fielon? Non. Est-ce que c'est... Je sais pas. Eh mais attendez. Est-ce qu'il peut être poussé? Parce que en vrai, Ah. D'accord. J'ai l'impression que les flèches, faut quand même le mettre sur la personne. Hein. À moins qu'il ait tanké le stack. Non, il a pas tanké le stack. Hein. Il y a combien de tours? 4? Bah, c'est perdu en fait. Ah oui, en fait, faut que je m'en aille. Je suis mort. Je suis mort. Après, je peux peut-être le forcer à m'attaquer. Je sais pas comment dire, mais... après, je peux m'enfuir par en bas. Ouais, il va falloir que je m'enfuis. Hein. Alors que je m'enfuis très fort. Est-ce que Carlac... tant qu'à faire...
Ah non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, j'ai tellement mal joué. J'ai tellement mal joué. Ouais, bah ouais. Après, Oh, ouais, vas-y. J'ai pris autant de dégâts en absorbant le... Échec critique alors qu'il est au-dessus. Ah, du coup, je prends la méga sauce, quoi. Par contre, il est en broker, en fait. Je suis un peu bête, là. Ok, lui, il est vu. C'est bien, comme ça, ça me donne la vision sur les autres. Ah, mais ça, on sait que ça marche pas. Je vais le retenter, mais... On sait que ça marche pas. Ouais, voilà. Mais c'est retenté. Tu peux l'atteindre ou pas, moi? Non, elle est trop loin, là-ci. Bah ouais, mais le truc, c'est que... Après, je peux voler. Au pire, je vais aller... Oh, je sais ce que je vais aller faire. Je sais ce que je vais aller faire. En vrai, j'ai même pas besoin de les voir. Hop. Oh, il y en a qu'un qui a été poussé. J'en ai absorbé qu'un dans le vide. On va rejoindre le frérot. Ah, je peux pas. Ah, j'ai pas assez. Ah bah si, c'est du déplacement. Hop. Voilà. Tac. Ah, j'en ai absorbé qu'un avec le truc. C'est terrible. C'est terrible. Après, je pourrais le refaire au prochain tour. On est pas mal. Ils viennent d'où, hein? Ah ouais, au-dessus. Ah, y'a du monde, hein. Ah, ça va être compliqué, hein. J'ai peut-être un peu... Enfin... Ouais. Après, j'aurais pu mettre une potion d'invisibilité. Ah, du coup, Karlak, faut qu'elle y aille, hein. Dans 3 tours, on meurt tous, là. On est one-shot. En broker, je pense qu'elle peut atteindre... Elle peut atteindre la porte. En vrai... Ah, faut la débrouiller. Et puis maintenant, il est invisible. Ah ouais, c'est fumé. Ah non, il est là-bas. Ok. Ah. Oula, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis trop loin. Je n'aime pas, hein, quand on fait ça. Mais là, faut aller le chercher. Hein. Là, faut... Est-ce que je peux sauter, là? Là, il faut aller le chercher. Hein. J'aimerais bien... Ah, j'ai pas d'angle. Est-ce que je peux piffer? Non, chemin interrompu. J'ai pas d'action. Enfin, en action, je pourrais juste avoir mon déplacement. Sauf que là, je peux pas descendre, là. Il faut que je saute pour ensuite me déplacer. Ouais. Ah ouais, c'est terrible ce qui se passe là. C'est jamais vu dans le monde du jeu vidéo. J'aimerais bien pouvoir sauter, quoi. Parce que là, je peux rien faire. Là, j'ai pas l'angle. Ah, j'ai pas l'angle. Si je tente, ouais, non, je peux même pas tenter. Ouais, on va rester là, mais. Ok, ils vont sûrement m'attaquer. Ah, ils veulent tout. Oh, bah, rapproche-toi du bord. Ok. Approchez-vous, Libor. Ça fonce, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Oh là là. Luc l'étrangleur. C'est quoi tous ces gens? En fait, c'est des mecs qui sont morts aux épreuves d'avant, quoi. Bah, je pense qu'il faut. Ah, pourra pas atteindre. Ouais, faut qu'on essaie de sauver les. Ah, mais en même temps, crocheter. Je vais jamais pouvoir crocheter avec elle. Est-ce que je vais le chercher? Jusqu'où je peux aller là? Je peux aller. Ouais, je peux commencer à le taper. Enfin, commencer à le taper. Il a. Ouais, il a les stacks. Après, eux, je pourrais les ignorer. Après, je peux retenter aussi, hein. Ah, mais c'est que lui, il est pas pris par le. Attendez. Wow, pourquoi l'éclairage là, il me. Ok, il y en a un autre de mort. Je vais voler le plus possible où je peux. Je pense que là j'ai l'angle. Ouais, j'ai l'angle. J'ai l'angle. Je vais pouvoir lui enlever 3 stacks. Ça c'est parfait. Ah, ça en a enlevé. Ça en a enlevé que 2. Ah, parce qu'il y en a un qui a échoué. Il y en a un qui a échoué. Perdu, reçu, perdu. Ok, bon, c'est pas clair, mais
Mais très bien. Ok. Ombrecoeur, je pense qu'il faut qu'elle se sauve. Après, en vrai, tant qu'à faire, autant qu'on soit tous sauvés du même côté. Hein. Je pense que... Ouais. Autant qu'on soit tous sauvés du même côté. Là, je peux juste marcher. Ouais, je peux juste marcher, là. J'aurais pas l'angle. J'aurais pas l'angle pour faire quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. C'est très dangereux, là où je suis. Hein. S'il y a un truc qui me pousse, c'est fini. Hein. Ok. On la goule. C'était... Ok. Ouais, genre ça. Genre ça. Là, il m'aurait poussé, c'était pas rien. Ok, il y a un monk. Il m'a mis au sol, ça c'est très compliqué pour moi. Ouais, j'ai pas respecté la zone là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir quand même. Échec critique, mais je prends des dégâts, très bien. Ouais, elle se fait, ouais, ouais. Ok, plus que deux tours. Plus que deux tours, faut qu'on soit en dehors ou qu'on le tue. Ombrecoeur, elle est au sol pendant un tour, ça devrait aller. Karlak, malheureusement, bah faut qu'elle reste ici. Hein. Ah, c'est terrible de rien pouvoir faire. Après, vu les déplacements, je me dis... Là, non, ça sert à rien. Est-ce que j'ai suffisamment de force pour lancer en me déplaçant? Ouais. Ouais, c'est huge. Kobe! Ok. Ça me va, ça. Hop. Je me remets à l'écart. Et ici... bah, il faut que je saute. Pas le choix. Et là, du coup, il a plus que deux stacks. Est-ce que je lui proc les stacks? Ouais, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, est-ce que je pourrais les proc avec le... Non, je pense pas. Ok, un stack. Ok, donc là, il est tout nu. Façon de parler. Est-ce que... Je me demande si je le vois d'ici. Mais par contre, il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende parce qu'il faut qu'on se cache. Dis-moi que je peux prendre l'échelle. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Faut au moins qu'on soit de l'autre côté. C'est une porte classique, ça. Ouais, on peut s'enfuir. Ah, bien vu, ça. Donc, on va se mettre ici. Donc, lui va continuer de nous embêter. Parfait. Malgré le fait que je sois en contrebas. Donc là, il a plus de stack. Bon, bah là, on envoie l'artillerie lourde, hein, comme on dit. Est-ce que je lui envoie une grosse comme ça, là? Non, je pense pas. Parce qu'en 5... Oh, au pire, je lui envoie ça. Hein. Potentiellement... C'est un... Ouais, non. En vrai... Minimum 18. Mais si ça proc... ça me plaît bien. Hein. En vrai, je peux clairement le tuer. Hein. Ouh! Oh, tonton! Tonton, tonton, tonton! Voilà. Alors, grâce au passif, hein, je peux peut-être même complémenter avec lui, là. Et à gauche. Hein? 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 Comment ça? Voilà. Ah, c'est bien quand ça marche, hein. Ça les remet pas sur le truc. Bon, ben voilà. Bah, c'est bon, c'est gagné. Parce que maintenant, Karlak va pouvoir jouer. Ombrecoeur est en très mauvaise posture. Hein. Si elle se fait pousser, c'est terminé. On va espérer que ça n'arrive pas. Ah, bah, elle joue avant. Ah, bah, attends. Quoi? Non, c'est de la triche. Pourquoi il peut. Ah, mais ça, c'est vrai qu'on peut pas. Eh oui. Oui, il veut se battre. Hein. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait faire double proc? Je pourrais mettre ça, mais j'ai pas spécialement envie. Là, si je me barre, je prends une attaque. Sauf si je pense que, en vrai... Est-ce que je peux atteindre... Moi, j'ai que ça en déplacement. Ah, mais ouais, parce que, bah oui. J'ai été pris de court, on va dire. Bah, au pire, je sais pas si ça vaut le coup que je l'attaque. Je provoque une attaque. En vrai, c'est que son attaque peut me mettre au sol. C'est ça le truc. Mais là, je vais juste lui enlever un stack. Je pense qu'il vaut mieux que je désengage. C'est sûrement très bête, mais... Ouais, je sais pas. Moi, je prends de la distance. Ok, il a pris les dégâts de feu. Il s'est mis invisible. Il y en a un qui est mort. Je sais pas. Oh. Ah bah oui, comme on l'a tué. Ah, mais ça annule tout. Ok, bon, il en reste quand même 3. Oui, parce qu'on remporte la partie, mais... Enfin, la partie. Mais, ok. Bah écoutez, ils sont où, eux? Je peux passer par là? J'ai pas l'impression, hein. Incoming.
J'ai pas l'impression. Il y en a un là, un là. Ok, ils sont aux fenêtres. Ah bah écoute. Est-ce que je peux les... Oh oui, je peux. Je peux. J'ai cliqué. J'ai fait le pire clic souris que je pense qu'on peut faire. Quoi? Ah non, d'accord, c'est que je vise pas les bons trucs. Ah, puis là, j'ai pas l'angle. Bon, prochain tour. Bon, moi, je vais me cacher. Mon broker peut les atteindre, en vrai. Ah, ça va faire venir sur place. Oh, ça va commencer à picorer. Parfait. Hop, là, en vrai. Ils peuvent même pas m'atteindre, en fait. De toute façon, ils vont disparaître de même. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'était plutôt facile. Ça aurait pu être très mal se... En vrai... Ouais. Bah en vrai sans le truc pour me téléporter, si on peut l'atteindre quand même, mais ça peut être plus compliqué quoi. Surtout qu'on aurait pu être poussé. Du coup on n'a pas de loot, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné lui? Mais j'ai eu peur comme ça, j'ai pas vraiment trop respecté le bonhomme quoi. La zone. Soupe de pois cassé, et ben pourquoi pas, vous savez quoi. Donc ça c'était la première épreuve, c'est passé du coup. Scalpel et des trucs qui font peur et... Oh, je peux grimper là. Ouais, en fait, il y a tout un chemin possible. Mais c'est vrai que les trucs d'inarrêtable... Après, c'est bien parce que ça proc sur absolument tout. Genre là, le pugiliste, il était sur... Enfin, le pugiliste, c'est un autre jeu. Le moine, il était sur du feu, du coup, ça lui a enlevé un stack. C'est pratique. Je peux pas le looter. Ah. Ça, c'est dommage, par contre. C'est un truc à lire ou... Oui. Manifeste de la mort par étranglement. Cette lettre tachée de sueur semble inachevée. Peut-être n'a-t-elle jamais été envoyée. À mes frères, histoire de sang. Si vous lisez cette missive, sachez que vous faites partie de mes confidents les plus fidèles. Sachez également que si vous trahissez ma confiance, je n'hésiterai pas une seule seconde à vous étrangler de mes propres mains. Où en étais-je? Ah oui. Ces derniers temps, j'ai entendu un appel, alors que mes doigts resserraient doucement leur étreinte autour d'une gorge. Comme si une voix me chuchotait de douces absurdités à l'oreille, pendant que j'arrachais le dernier souffle de ma proie. Je pense que notre seigneur du meurtre a fait de moi son élu. Peut-être même que nous sommes apparentés. Oui, mes frères et sœurs, je vais revendiquer mon héritage du meurtre, mon trône de sang. Je défierai Dame Aurin pour son droit de naissance. Et si ma poigne de fer parvient à arrêter ses allaitements avant qu'elle ne m'écorche vif, je deviendrai Luc l'étrangleur, fils de Baal. Dans ta moi-même, il faudrait que je trouve un titre plus accrocheur avant de l'envoyer. Bah, Luc l'étrangleur, c'était justement le pugiliste et bah, il est mort, hein, du coup. Hein. Donc, force à lui. Ça a l'air d'être par là. C'est très bizarre, hein, le donjon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? The Lord of Murder shall perish. Wow, c'est trop stylé! C'est du... Wow. Ok. J'aime beaucoup. On va allumer ça, on sait jamais, ça sert peut-être pour le dragon. Pas du tout. Pas du tout, rien à voir, mais bon. On va s'amener de la lumière. Pourquoi ça fait peur comme ça, là? En fait, j'ai l'impression qu'à tout instant, on peut se prendre une embuscade. Et c'est ça qui est trop stylé. Oh! Oh, la poitrine de porc, là. Viens par là. C'est vrai qu'Astalon a pris pas mal de coups, mais c'est pas très grave. Cinquième strophe de Morneçon. Est-ce que je peux... Ça me fait penser à un truc, en vrai, mais je sais pas quoi. En fait, c'est une ville à l'intérieur, et c'est stylé. Une ville en ruine, et... C'est vraiment trop stylé. L'ambiance est là, hein. Il y a des cris bizarres aussi, des gens qui se font torturer, tuer, bon, c'est chacun son délire après, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Oh. Ok. Par contre, ça va nous attaquer là? Hein? Oh, on va pas du tout où il faut en fait. On va pas du tout où il faut en fait, c'est par là qu'il faut aller. Ah vraiment là on va au cerveau? Genre là si je veux je peux finir le jeu? On va être demi-tour hein. Ah oui on va pas du tout où il faut en fait. Mais comment ça le chemin que je dois prendre il est... Mais par contre un rat comme ça on en a tué dans les égouts là. Ok. Mais le cerveau... Mais je crois qu'il était derrière le... J'ai rien compris ou quoi? Il était derrière la porte justement là.
l'extérieur et que ça nous disait si vous allez par là, c'est fini. Okay, bon, après, il y a peut-être plusieurs chemins pour atteindre le cerveau, mais. Ok. Mais très bien. Donc, on sait où est le cerveau. Ah, ça se trouve, c'est pas lui. Oh, la grosse porte là. Ah, bah, je pense que. Corinne est derrière, mais là, ça me paraît. Ça me paraît bizarrement simple dans le sens où, ok, il y a juste un petit combat avant. Et là, je traverse toute une zone, mais il n'y a rien du tout. Alors qu'il y a, des, il y a de la hauteur et tout. C'est ça, genre, il y avait juste une épreuve. C'était survivre à un mec. Un point de passage, ok. Ah, là, ça fait quand même une petite arène, là, non? Ok. Bon, bah... Ah! Beware. Ouais, mais bon, non, mais vraiment, Astarion. Par contre, pourquoi ça a pas explosé? Bah, écoutez, on va le faire. Voilà. Quand même fou que ça soit lui qui marche sur le piège. Hein. Ok, donc là on ouvre la porte et derrière il y a Erwin. Ah, je préférais faire un succès critique durant un combat, mais... Ok. Ah oui, mais du coup, ça va me faire des dégâts, en fait. Vu que c'est instable. Non, c'est vraiment juste l'explosion. Pensant que le piège, il marche à moitié, quoi. Ça, c'est bien beau d'avoir du son instable, mais il faudrait... Il faudrait un... comment dire, bah, un truc pour l'activer, quoi. Ok. Bon, on va tout... On va tout désamorcer, on sait jamais. J'ai pas envie d'avoir des pièges derrière moi. Et on va se préparer à Orin. C'est vrai qu'Orin... je sais pas trop ce que c'est, hein. Je pense pas que ça soit un dragon. On verra bien, de toute façon on pourra tester les flèches. Les petites bougies. Je pense que c'est là qui les fait apparaître. Je pense qu'on est attendu. Pourquoi la porte m'a l'air... Oh. Pourquoi je peux... J'ai l'impression que je peux pas faire d'action dessus. Ok. Très bien. Bon bah je pense qu'on est pas mal. Il hein. Y a un TP mais en vrai... Bah en vrai non. Hein. Peut-être un court repos. Encore à Stallone, en vrai il est... Il va juste boire une potion. Hein. Il va juste boire une potion. Et je pense que je suis prêt. Après... ah, je vais peut-être... Voilà. Peut-être... Ah, j'aurais pu invoquer des trucs. J'aurais pu invoquer des choses. Là, je les ai plus parce que c'est... l'Europe... Oh. Je sais pas, en vrai. Est-ce que je me mets ça direct? Je sais pas les résistances qu'elle va avoir, donc vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. En vrai, on est bien. Ah ouais, je peux récupérer ça en vrai. Après là, j'ai tout fou en vrai pour le peu que ça me sert. En vrai, on s'en fiche. Hein. Ouais. Eh ben c'est parti. Mauvaise troupe, en avant. Pour casser la figure d'Orin et sauver enfin, enfin Lazal. Je vais pas la louper, c'est moi qui vous le dis.